Salut les sauvages et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en montagne, on est en Ariège et on vient voir le mouflon. Et en plus, je suis accompagné puisque aujourd'hui, je suis avec Adrien qui est en train de manger. Adrien, est-ce que tu es capable en moins d'une minute de te présenter ? Me présenter ? Ouais. Tu regardes la petite caméra là et tu dis qui tu es. Salut, moi c'est Adrien, photographe pour AL Wild Expedition. Ma passion c'est la nature évidemment, la photographie et puis faire partager ça avec mes stagiaires ou les amis. La preuve en est. Ouais. C'est pas la première fois hein, qu'on fait ce genre d'expédition non plus. Hein. Un peu partout. Tiens, regarde, ça n'est pas là-haut ça? Aujourd'hui, je suis venu avec Adrien, parce qu'Adrien, il connaît bien le terrain, il sait exactement où est-ce qu'on trouve les mouflons. Et justement, il m'a expliqué que ça a été introduit, pas réintroduit. Introduit, donc c'est une introduction à l'initiative des associations de chasse locales qui ont introduit dans les années 58 les premiers mouflons. Donc avec une dizaine de mouflons venus de Corse et d'ailleurs. Et ça a été un petit succès et puis chemin faisant, voilà, aujourd'hui on en dénombre quand même pas loin de 520 individus. Et alors pourquoi ici ça risquait pas? On sait que quand on introduit des nouvelles espèces, par exemple quand on voit le vison d'Amérique avec le vison d'Europe, on sait que le vison d'Amérique occupe l'espace du vison d'Europe. En fait il n'y a pas de concurrence avec, avec l'isard par exemple qui occupe très souvent les niches écologiques ici dans ces montagnes. Donc les chasseurs ont constaté que c'était une niche éco-vacante et peu fréquentée par les isards. Donc ils en ont profité quoi. Il y a une parfaite cohabitation des deux espèces puisqu'elles n'empiètent que peu sur leurs espaces vitaux et nécessaires. Et c'est fou hein, parce qu'on en a vu quand même... On a vu pas loin de 4, peut-être même 5 mâles. Oui, en plus c'est l'automne, donc c'est le rut. C'est l'automne, c'est le rut, c'est pour ça qu'on est venu à cette période-là, parce que c'est une période beaucoup plus facile pour voir des mâles, évidemment, partent à la recherche des femelles. Ah ouais, on les a vus se poursuivre, ouais. C'était marrant. Donc en fait, ils sont vraiment visibles aisément à l'automne, donc à cette période-là, pendant le rut, parce qu'après, ensuite... ils passent le reste de l'année en petite bande de copains, si je puis dire. Et on trouve plus facilement les troupeaux de femelles, des petits groupes, que des mâles. J'espère les sauvages que vous avez réussi à apprendre 2-3 petits trucs. Ouais. Déjà, moi j'ai appris qu'il y avait des mouflons ici en Ariège. Déjà, ça c'est déjà pas mal. Je pourrais même pas le savoir. Et puis, on va redescendre tout doucement. Ah ben non! D'abord, on va vous montrer quelques images de mouflons. Allez, c'est parti! Thank you.
Bon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la page, et puis à bientôt. À bientôt. Ciao les sauvages.